pas craché. Hein. Oh. Cube 4, Vic, capitalise. You have a message that cryptic if you are pure dust. What the fuck? Repair hammer. Scrap. J'ai une flashlight. Ouais, une petite pizza surgelée là, j'ai pas non. Oh! Luxury tomate. Des tomates du luxe. De l'ice cream. Oh oui. Finalement, l'apocalypse, c'est pas si pire. Une boîte de sardines, mais oui. Comment je me casse? On a le plan du sous-marin ici du coup. You are here. Storage room, mess hall. Il y a un hall de mess? Non. Switch room. Captain quarters, command room. Junction room. Bunk room, hall. Donc il a dit que je vais aller dans mes quartiers. Sexy beans. This shit. Oh, oh. Oh putain, c'est badant. Junction pump. Oh mon dieu. On m'a arrêté, arrêtez, je vais pas gérer tout ça. Ça c'est non. C'est quoi ça? Quoi? Alors, le Periwinkle, classe submersible, d'accord, donc le, ça il parle du sous-marin, est extrêmement avancé par rapport à son système de navigation. Entrer un code à trois chiffres dans le système de navigation et calculer la route. Les trous c'est mal, oui. Il y a une espèce de frein ou de d'accord. Plongez, plongez, plongez. Si vous n'avez pas de ressources, récupérez-en, effectivement. Tous les bâtiments. En gros, il y a plein de bâtiments qui sont désertés et on peut se servir. Wildlife. Si vous ne comprenez pas, si vous ne la comprenez pas, restez loin. Wow, ok. Oh putain, d'accord. Donc en gros ils disent il faut pas faire n'importe quoi avec, avec la faune qui se trouve dans l'endroit où on se trouve. Ça pourrait mettre fin rapidement à notre voyage. Et il faut trouver du carburant bien sûr. Next page. Il y a une next page? Non, il n'y a pas de next page. Ah bah j'aurais pu faire comme ça. Super. Si j'avais su. Zver. Oui. Ah, je peux choisir l'endroit où je veux aller. Hein? Oh, c'est bien. On va aller, on est où? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je peux mettre une disquette. On va aller au... j'en sais rien moi. Nothing, structure. On va aller à une structure. On va aller à 738. Et... c'est quoi ça? Hein?
a l'air d'avoir un tas de matos qu'on ne comprend pas. Du café ? Objet. Oh, le bordel. Attends, on va continuer d'explorer. Oh, le luxe ! Oh ! Oh, le luxe ! Ok, donc on a une carte de la région qu'on l'on doit explorer. Et donc, pour sortir de cette région, il faut passer par la route 712 que l'on voit tout à droite. Et donc, j'imagine qu'on est à la 725, on doit être tout à gauche. J'imagine que c'est comme ça que ça marche. Donc, on commence à 725, donc on peut aller à 729, etc., etc. Donc, après, on a tout un itinéraire, machin, mais on doit sortir par 712. Intéressant, intéressant. Backup footage. Save game. Ah, ok. Rien de sauvegarde, ok. Oh! C'est ça, donc on doit sortir par la route 712. Ok. J'aime bien. Ok. Bon, je suis pas legit à 100%. Il y a aussi 3 mois d'Apple Plus gratuit, mais pour ton 70-30e dossier. Streamer au top, merci pour toutes ces matins de bonne humeur. Merci beaucoup, Wise Wizard, merci beaucoup du soutien. Quelles que soient tes motivations pour le resub, sache que c'est ultra apprécié. Ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Zoom zoom, c'est quoi ça? Je sais pas ce que je fais. Des conneries, tous les coups. This routing stage was set alongside the encrypted message. You should plug it in so we can get going. En gros, cet itinéraire, on a reçu cet itinéraire, machin, vous devriez la rentrer pour que nous puissions avancer, oui. Qu'est-ce que je vais faire? Nous sommes à 725, c'est ça? On doit aller à 725. Je comprends pas ce que je fais. Il est badant, lui. On dirait le trombone Windows, là. Je suis bête ou quoi? Alors, est-ce qu'on est à 725 ou est-ce qu'on doit commencer à 725? No routing data. T'es pas censé me donner la routing data, non? On va aller à 736 alors. Mais je comprends pas, monsieur, mais donnez-moi des informations. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas ce que c'est. Le fait qu'il se tourne lentement vers nous, j'avoue que c'est pas... C'est pas incroyable. Monsieur... Mais non, mais qu'est-ce que je fais avec ça, moi? C'est ultra évident, mais du coup, je... Oh, on peut courir. Ça mène à quoi, ça? Storage. Oh, ça m'a fait peur. Storage shutter. Scrap. Pump. Pas touché à ça. Ça, c'est pour mettre des affaires, quoi. Ah non, on peut descendre. Mais ouais, mais... J'ai du mal à capter ce qu'il me dit, en gros. On est censé avoir reçu un itinéraire, machin, mais j'ai rien pour le... Pour l'itinéraire en question. Il y a des monstres, bah, dans l'eau, oui. Pas dans le sous-marin, non. Bip-boop.
Ah ben voilà. Gunnar. Gunnar. Alors notre itinéraire c'est ça. Donc ça c'est ma position j'imagine. On est à 729. Donc attends. On va essayer. 729. Setting route. Oui. Et ensuite. Là je foutre. Parce qu'il y a un bouton magique à appuyer. Il y a 12 valves, il y a 14 000 boutons. What the fuck? Je veux valider quelque chose? Engine. J'imagine qu'il faut start les engines. Ça start pas trop les engines. Head pump. Oh là là, oh l'enfer. Il devrait pas être le truc qui a subi des dégâts, non? Je sais pas. Je sais pas comment on fait ça, moi. J'allume ces trucs. Ça réagit, ça réagit. Alors peut-être. Ça c'est bon mon capitaine. Moi je vais aller explorer dehors moi. Attends, on va plus lentement, Oh, pas trop vite. Mais on va au 738 là, on va pas au 100. Quoi? Je sais pas ce que c'est, à faire comme si on savait. Ça a l'air d'aller. Quoi? On a plus de fuel? Find fuel for the ship. Ok. Let's go! On va dans la storage room, non? Compressed air. Flare. C'est. Ouais. Le petit robot, il rappelle les. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non! Oh! C'est stylé. Au revoir à tous. Non, ça va. C'est incroyable. Oh, c'est une espèce de carré devant ma gueule, c'est normal. Enfin un rectangle devant ma gueule. Oh c'est insane. C'est moche cette espèce de rectangle là, c'est quoi?
Bon, c'était pas le but, mais... Have you considered refueling the ship? Ben oui, mais bon, je me... Laisse-moi tranquille. Arrête, il met la pression. Je suis pas tranquille. Refueling the ship. Fuel, jauge. Engine, turbine. L'eau de fuel. Have you considered refueling the ship? Mais d'ailleurs, je sais pas où je vais trouver le fuel, moi. Attends, on va aller dans la storage room. Merde, c'est pas ça, c'est ici. On va descendre. On me passe. On va dans les tréfonds des abysses, là. Hein. Quoi ? Motor. Ah, c'est ma lampe qui fait cet effet dégueulasse. Je veux jouer. Zordi ! Attends, mais dans mon inventaire, j'aurais ça, moi? C'est quoi ma touche d'inventaire? Contrôles. Inventaire table. J'aime bien l'inventaire. J'ai pas d'essence sur moi, là. Vous voulez que j'en trouve, Robert, là? Donne-moi les infos. C'est le bordel, ce vaisseau aussi, là. Oui, je savais pas du tout, Pali, je peux plus te répondre. Donde está el gasol? Et lui, je vais l'oublier. Je suis le 1v1. Storage room. Storage room, storage room, storage room. Eh mais non. M'énerve. Pas dans les cuisines qui auraient de l'essence, bah non. J'imagine que non. Est-ce qu'il faut que j'en loot, tout simplement? Il faut que je descende en looter à l'extérieur. Mais c'est pas clair. C'est pas clair. Roundbook. Outside et crank de manual drive. Ah. Donc il faut que je sorte. Dis-moi les choses clairement. Comment on l'appelle, Bond? Robert? Thierry, j'aime bien. Et pas Siri, j'ai dit Thierry. Il y a un requin. Oh, la musique, elle est vraiment... Elle est cool. La musique, elle te donne pas du tout envie de crever, quoi. What the fuck? Oh. En vrai, c'est incroyable. Qu'est-ce que je cherche? je sais pas. L'oxygène descend vite. En vrai, pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça.
que ça, étonnamment. Vous voulez qu'on l'appelle Willy? Il s'appelle Willy, alors. C'est très agréable. Et visuellement, c'est impressionnant. Attends, on va re-rentrer, on va ressortir. Mais j'aimerais bien qu'il me donne des infos un peu plus intéressantes, Robert. Mais non, j'ai pas de save de capsule de mort. Il est bête. You should go outside and crank the manual drive. You could go outside and crank the manual drive. Mais ça veut dire quoi? Mais putain, vas-y, on descend. Bon, les couilles. On est là pour tester. Je suis là pour explorer. Putain, tout est sage. Hein. Tout est sage. Hein. Je viens en paix. Hein. J'ai juste besoin d'essence. Et je vous laisse après. Oh, la tronche. What the fuck? La taille du poisson pané. Ils ont l'air à peu près sages quand même. Eux ? C'est badant de fou. Mais s'il vous plaît, je peux mourir à cause de la porte. Okay, merci. L'ambiance, elle est vraiment bizarre, genre. Tu sens qu'il y a un truc bizarre. Je crois qu'il y a une ambiance bizarre. You should go outside and crack. Mais je vais le bully lui. Go outside and crank the manual drive. Oui, oui, mais encore. C'est-à-dire. Suck. Suck. Il y avait un étage heureux, mais j'avais plus beaucoup d'oxygène à ce mec. Side. Oxygène. C'est quoi le manual drive? Le problème c'est que j'ai envie de comprendre, mais le jeu m'aide pas des masses quoi. C'est ce que je veux dire. Oh, un bocal d'olive. Bref. C'est là, c'est l'apocalypse. Tu trouves un bocal d'olive. En vrai, t'es content, non? C'est bloqué. Si tu trouves de la bouffe, t'es content. Ouais, je pense. Oh, c'est lent. Je comprends pas. Vas-y, redis-moi les choses. Oh. Il est énervant lui. C'est quoi ça? I hope you have some UN capsules saved up. Compressed.
Inspect, use, drop. J'appuie sur des boutons, je sais ce que ça fait. Non mais je comprends pas. Y'a un bouton que je dois activer sur le sur l'extérieur du sous-marin. Vas-y comprendre lequel. Je sais pas moi. Je suis pas technicien. Enfin dans le jeu peut-être, mais il y aurait le nom. C'est quoi le manual drive? Je sais pas où c'est moi. C'est marrant. Comment ça possible? Tu sais pas où c'est? What the fuck? Toujours. C'est quoi cette merde? Oh! Ça m'a rendu de l'oxygène, hein, d'accord. What the fuck? Chez toi il pleut, Morgana, mais ça dégoûte. Et moi il pleut quand? S'il vous plaît. Voir la cage en dessous là, je sais pas ce que c'est. Si je fais ça. Je comprends rien. Ce que je dois foutre. Oh! J'imagine peut-être pour du loot c'est plus simple de se déplacer comme ça, peut-être. Je sais pas. Ça va, t'es dans l'eau. Oui, mais pas IRL. Prenez-vous. Mais par contre, premier degré, j'aimerais comprendre quoi. Qu'on reste pas bloqué là comme des cons. Après, ça se trouve, la démo c'est juste rester ici, vous voyez ce que j'ai. Y'a un démo où. Y'a un démo. Y'a un monde où la démo c'est juste cette zone là et rien d'autre quoi. Ce qui est même totalement probable. C'est pour ça qu'on trouve pas de trucs d'essence, de trucs de. Oh la petite étoile, bon. J'aime beaucoup ce post-apo là. Allez, mais bouge! Oh! C'est quoi, hein? Du détergent? C'est quoi? Bon, ben, c'est bien. Je vais clamser là. Hein. 10% d'oxygène. Bon à tous, c'est un honneur de vous servir. Messieurs, dames. Au plaisir, bien sûr. Oh, le clutch. Le clutch. Oh, le clutch. Mais toi, go outside là, putain. Putain. M'énerve! Je sais pas ce que je cherche dehors. Have you considered revealing the ship? Je le boulis. Juste à mort, probablement. Mais ouais, mais c'est trop con, je comprends pas. En fait, je ne sais pas ce qui est.
Je sais pas s'il fait partie de la démo, je sais pas ce que je dois chercher, je sais pas moi. Est-ce que tout ce qu'on doit faire dans la démo c'est explorer et voir un petit peu ce dont le jeu est capable en termes de visuel et d'ambiance? Ou est-ce que je dois vraiment bah pousser quoi, aller chercher un peu plus Je vais lui faire du mal, je vais le débrancher. Je vais le débrancher, il m'a saoulé. C'est bon, il m'a saoulé. On va fouiller cette maison. Donc là ça se trouve en fait je me frustre tout seul parce que la démo elle offre pas la possibilité d'aller plus loin que ça quoi. Ce qui est possible. Et d'un point de vue tutoriel et explication, bon, faut qu'il fasse mieux quoi, parce que... Try pressing left shift in rhythm with your swimming strokes. Oh waouh, d'accord, oh, putain, plus jamais je fais ça. Ok. Sous l'océan. Bandages. Oh, ça peut servir, hein. Donne. C'est quoi ça? Zé! Compresseur, bah écoute. Sous l'océan. Doudoudoudou. Attends, mais compresseur, est-ce que je peux l'utiliser quand je suis sous l'eau? C'est ça? Use? Ah! J'ai compris! D'accord. Ah mais c'est quoi ce tentacule? Ah Ok. On va pas rester là. D'accord. Fuel capsule. Oui. OMG. OMG la fuel capsule. Bon les olives, c'est pas que je vous aime, hein. Je vous aime pas hein, mais... ça marche. Moi, je peux le mettre là. Les tomates. Bon, la gestion d'inventaire, c'est pareil. C'est un truc bon. On va se poser la question un de ces quatre, quoi, quand même. Vas-y, on utilise ça. Ça fait de la place là. Là, c'est bon. Mais quoi? Il vaut quoi comme place? Vas-y, je mange des tomates. Mais non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, mais faut qu'on fasse la gestion d'inventaire en vrai. Ouais. Je reprends toute ma merde. On va aller jeter ça. Et on revient. Toulouse. Ouais, il y a un aspect, bien sûr. C'est très inspiré. Ce que j'aime beaucoup, en fait, ce qui est un petit peu inattendu pour moi et ce qui m'a vraiment... donner envie de tester ça, c'est l'aspect post-apo, submersion totale de l'humanité, tu vois, c'est un truc, c'est pas vraiment, c'est pas un truc que j'ai beaucoup vu quoi, en tout cas. D'avoir des gens capables de survivre dans ce monde post-apo, c'est incroyable. Putain, le bruit qu'il a fait. Dégueule ! Alors, comment ça marche? Est-ce que je peux ranger mes affaires là-dedans? Salut Daki, comment ça va? Pardon, ça va très bien, tranquille ici. Bon, tout ça, ça va pas d'époque de toute façon.
bugué ma bouteille là. Si tu me dis que là y a pas la place pour le truc, ah merde hein. On y retourne. Je pense pas qu'ils étaient assez salauds pour mettre un mob agressif dès le premier truc là, mais. C'est jamais. Ça va plutôt bien. Je viens d'acheter mon petit Vecna. Ah, des BD au cas au cas. Tu vas te régaler, il est cool. Alors. Ah, fuel capsule. Ok. Déjà, on va pouvoir. C'est quoi ça? Champignons. J'ai faim, je mangerai n'importe quoi. Ah. C'est dommage, j'ai tout jeté. D'accord. Mystery can. Ah voilà, tu vas te régaler. Allez, use. Je sais pas ce que c'était. Okay. Bon ça. Il y a des bruits, c'est non. Hein. Je suis pas d'accord. Hein. Quoi? Oh, je suis terrorisé. Arrête! Attends. C'est où déjà qu'on met le fuel? C'est là non? Si, ici. Le fuel. Oh oui! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah. Et donc ça a rechargé. Ok. Empty fuel capsule. J'ai vraiment cru qu'on avait cherché pendant 12 ans alors qu'il y avait une capsule là, mais ça va, elle est vide. Putain. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Ça c'est quoi? D'accord. Là ça m'aurait vraiment. Non. Ça aurait été bagarre. Allons-moi. Ça suffit. Las tomatas. Mais attends, mais du coup, où c'est qu'on voit ma jauge de bouffe et tout? C'est important. Alors là, si je mange ça, quelle jauge va monter? Pas à comprendre. The use. Eh bien, je trouve que rien n'a changé. Apparemment, ma mission de trouver du fuel pour le ship, c'est pas suffisant, donc on va en trouver d'autres. C'est quoi ça? Quoi? Il y avait un truc là? Oh la télé! Iron pipe. J'ai pas la room, menteur. J'ai un vieux bouquin, ça dégage.
quoi ? Oh, vas-y, ça reste là, alors. Merde. Oh ! Oh, le couteau ! Je peux l'équiper ? Équipe. Oh ! Oh, la bagarre ! Bah, venez vous battre ! Oh, les chiottes. Ah, l'ambiance est incroyable. Mais je sais pas en fait quel va être le but du jeu globalement. Je sais pas où est-ce que ça va. Je sais pas, je comprends pas exactement qu'est-ce qu'on doit faire, tu vois. Bref. Mais en vrai de vrai, il y a un potentiel de fou furieux. Il y a un vrai potentiel. Hein. L'ambiance qu'ils ont mis, ne serait-ce que sur le premier endroit où on se trouve. De cinglé. Wow. Wow. Oh putain. Oh le luxe. Bon, faut revenir. Oh, il me fait chier. Unit to restart the engine, Captain. Sont off. Non ! Que se passe-t-il ? Il y a le feu ! Qu'est-ce que je fais ? Monsieur, il y a le feu, on fait comment ? Ah ! Je sais pas, Morgan. C'est prévu pour cette année, c'est marqué 2024. C'est une bonne idée ce compagnon, en même temps c'est une mauvaise idée, ouais, c'est bien. Il m'a l'air sympa au demeurant quoi, mais bon. Repair Hammer. Repair Hammer, pour l'instant on va le drop. Ça, pour l'instant on va le drop. Ça, on va ramener le plus de choses possible. Parce que là on a du bousin. C'était cette maison là je crois. Oui. On ne sait pas manger un mob encore. C'est plutôt sympa quand même. J'ai pas la room. Oh quand même. J'ai pas la room là. Vraiment. J'ai la room là. Foutez pas de ma gueule. Quoi? Et je vais le traîner avec moi, c'est pas grave. Je vais le ramener au vaisseau tel quel. Nick. Est-ce que c'est vrai ?
poisson. Alors, il y avait un système de... Attends. Si je ramène un truc ici... Que je fais suck. Non ! Mon objet ! Saloperie. Ça peut pas suck ça. Les rampes. Non. On a de l'essence. On va déposer ça là-bas. Essence. Drop. Drop. Ok. Bon, j'imagine qu'il y a du craft. J'imagine qu'il y a du craft. J'imagine qu'il va y avoir un accomplissement, quelque chose à faire. On a la route 712, là, je sais pas quoi, à quoi ça mène. On sait pas trop. Hein. Ça sert à quoi, là? Inspect the standard pipe wrench. Bon, je sais pas. Voilà, parfait. Je vais pouvoir prendre sur moi ça. La bouffe. Bon alors, il faut qu'on restart les engines. Donc quoi, ici? Engine pump. Engine pump. Start engine. Are you the war catch the engine or hope? Eh oui, cochon va. Rien qui marche, mon pauvre. Ah. Bah. En avance. OMG. On met une route? Ou est-ce que ça se fait tout seul? Je veux aller à 700. 8. Captain, the power appears to be off. What's the fuse box trip? Quoi? Fuse box. Et on est dans un... On est dans une ruine en fait. Une fuse box? Où c'est qu'il y avait une fuse box? Switch room. On a vu une fuse box. Moi j'ai peur de toi, bro. Peut-être au sous-sol. Ok. Ah, le robot, ouais, ouais, il fonctionne lui. Hein. Ce petit chacal. Hein. Est-ce qu'il y avait une fuse box ici? Y'a rien!
fuck? C'était pas à l'extérieur quand même la fuse box. The switch room, c'est ici. Switch box, correct. C'est allumé ou c'est éteint là? J'ai du mal à comprendre. Ça sert à quoi? C'est bon? Oh! The fuck? Ah! Ah voilà hein. Ah. Alors peut-être. Là c'est bon. Il est passage lui. On se casse. Bernard avance. On n'avance pas là. Allô? Lockdown, interior lights, arrière lights, front lights. Il est où mon pote pour me dire ce que je dois foutre là? Est-ce qu'il y a une histoire? Je sais pas, Elwen. C'est une démo. On est sur une démo là. On découvre en fait. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Putain! Fuck! Fais peur ce poisson de con là. On avance pour... Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mon pote il est parti? Allô? Il y a de l'essence pourtant. Je comprends rien du tout. Il faut que je mette 760 genre. Setting route. C'est bon? On y va? On y va! Oh, let's go. Ah, bonjour. Caméra extérieure fonctionne mal. What the fuck? C'est quoi cette merde?
Je vais explorer, on s'arrête. Alors. Bon, on a mis du temps à comprendre comment tout ça fonctionnait, mais c'est normal, je pense. Et c'était pas simple. Hein. Oh, on est dans une ville là, carrément. Oh waouh! Non mais visuellement c'est dingue. Hein. C'est quand même dingue. Donc attends, je dois réparer les cams, c'est ça? Sensor Array Mount. Oh. Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est ça, tout à fait, Elwen. On est dans un post-apo. De ce style, tout à fait. Est-ce qu'on peut remonter à la surface? Ou est-ce que c'est con? On tente? Oh, vous savez que ça me fait plus peur que d'être sous l'eau. Je retourne sous l'eau. Oh là, ok. Voilà, ok, j'étais pas serein là. Y'a aucune terre à l'horizon, rien, c'est badant de fou. Sourd. Pourquoi je rebondis, genre, qu'est-ce qui m'arrive? Le fait qu'il n'y ait pas une seule terre à l'horizon, t'es en plein milieu de l'eau, là, tu sais pas ce qu'il y a sous tes pieds. Non, 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 non. Je préfère regarder ce qui se passe en dessous, tu vois. Quitte à bader parce que je vois des trucs, que de ne pas savoir. Hein. It's missing a sensor. Eh, mais j'en ai plus. J'en trouve d'autres. Est-ce que c'est ça qu'il faut que je loot ce coup-ci? On va voir ce qu'il me dit mon petit pote. T'as rencontré des vilaines bestioles pour l'instant, donc des poissons qui étaient pas méchants. Et où mon copain? Hello mon pote. Du cul. Ok. On va looter, on va découvrir un peu. On a quoi sur nous? On range un peu quand on fait de la gestion d'inventaire. Voilà, c'est bien rangé. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Sardine, bien sûr. Coucou Tiger, comment ça va? On va équiper le coutal, parce que je ne suis pas serein, bien sûr. Merde. Equip. Oh ouais, ouais, ouais. Bon, la bagarre, la bagarre, la bagarre. On sait que tout est visitable. What the fuck? Oh. C'est badant de fou. C'est quoi cette merde? C'est sage, hein? Et ça, c'est non. Hein. Est-ce qu'on peut les taper? Bon, c'est pour la science qu'on fait ça, d'accord? Ne faites pas ça chez vous. Je suis un professionnel. Bon. Super. Ah. Ok, super. On se casse. De décuver, ah bah let's go. Ah, moi en train de péter un plomb globalement dans ce jeu. Bah,
le jeu fait très mal son taf dans le fait d'expliquer un petit peu ce qui se passe. T'es un peu perdu, t'es un petit peu lâché dans la nature, quoi. Il te donne pas trop de d'indications ou c'est très flou. Mais par contre, vraiment, l'ambiance, elle est folle, complètement folle. Le visuel, le fait d'être au milieu de tout ça, je trouve ça mais incroyable. C'est incroyable. Electrical scrap. Oh, ça il nous faut. C'est quoi? Spears pistol. Oh, let's go. Les scrap. Merde! Je suis bête! Ah, j'ai pas fait attention à ma jauge d'oxygène, je suis trop bête. J'ai pas de room. Arrête. Putain, le spear pistol, let's go! Joue au Tetris là, let's go. Et le couteau là, pourquoi tu rentres pas là? Eh, hey, deux secondes. Quoi? Comment ça hein? Comme moi, non? What the fuck? What the fuck? Et je jure, c'est une dinguerie. Donc là, j'imagine qu'on est dans un espèce de biome un petit peu safe. Je veux pas voir la gueule des biomes terrifiants là. C'est le poisson qui te prend, c'est le poisson qui fait toc toc. Putain. En fait, pareil, ce qui est terrifiant, c'est à quel point c'est crédible. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, visuellement, l'univers est ultra crédible en fait. Attends, avant que je fasse de la merde, j'ai encore une bouteille d'oxygène, hein. Oui. Scrap, des harpons. J'ai pas de room. Est-ce que je peux équiper mon pistolet? Équipe. Bon, ça marche. Oh! Piou piou! Ok. Une entrée là-dedans? Pour l'immersion de ce côté lumineux là. Il est où mon sous-marin? Je le vois. Tiens, jouer Bob l'éponge, c'est horrible. Mais une chose est sûre, le jeu sort, je l'achète direct, hein, je m'en balèque. Je veux trop voir ce que le jeu nous réserve en fait. Oui. Il a rien à me dire, putain, let's go.
Pour une fois qu'il ferme sa gueule. Je vais manger ma petite petite canne. Non mais je sais pas pourquoi je mangerais ça en fait. Ici. Les scraps, je peux pas les rentrer. Ah si. Ah si. Moyen bof. Ah ! Merde. Il y a un fallout, mais sous l'eau, il... Ouais. Press A number. Et du coup, si je fais ça. Ah, let's go! Ok, j'ai compris. Mais pourquoi ça ils me le disent pas dès le début? Putain, mais c'est fou ça. Tout simplement. Ah, ok, nice. De le faire rotate. Ah si, ok, j'ai compris. Le stress. Voilà. Bandage. Ok, on commence à comprendre des choses. On y retourne ou quoi? On va juste poser notre essence. Et notre gun en vrai, le gun je pense que pour l'instant il sert à rien. Juste comme ça. Oh. C'est formidable. Bon, une fois que tu comprends la façon dont l'interface fonctionne et tout, c'est cool. Et le début de jeu, en vrai. Non, mais le début de jeu, ils doivent faire mieux, par exemple. Le début de jeu, ils doivent faire beaucoup mieux dans l'explication de ce que tu fais et tout. Parce que franchement. On a mis quoi? On a bien mis 20 minutes à capter. On a mis 20 minutes à tourner en rond, à comprendre ce que je vais foutre. C'est Jim. Alors c'est bien Doom 3, c'est pas vraiment Doom 3 mec. C'est bizarre. J'ai mon couteau. It won't open. Est-ce que je peux avec mon couteau le tabasse? I can't hit it hard enough. Fuck! Fuck! J'ai envie de taper un poisson. Pour la science, hein. Faites pas ça chez vous, bien sûr. Il y avait d'autres trucs à la poste, non? Bah, dans le jeu, pas IRL. IRL ne tapait pas les poissons. Dans le jeu uniquement. Par souci de science, encore une fois, c'est tout, hein. Scrap. Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup. Je pense que je vais me chier dessus au moment où il y a une forme de vie qui va vouloir me bouffer. Je pense qu'il y a un problème dans ma tête à ce moment-là.
bolide. Dis, j'aimerais bien fouiller la petite maison là. Je peux pas continuer trop longtemps sans nourriture. Hop, du thon, voilà. Des sardines, je sais plus. Allô ? Pour toi ? Je vais garder mon couteau en main parce que je suis un peu insécure. Tu vois ? Sea quoi ? Sea greens. Oh ! Une pièce ! Cette merde. Luxury tomate. Oh, des tomates de luxe. Ah, vous avez pas ça chez vous le chat. Mon oxygène, au revoir à tous. So long. So long partner. It's been a pleasure. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Faut que j'arrive jusqu'à la poste. Tu veux dire sardine? Oui, c'est sardine. Genre par une algue. Tu te fais attraper le pied par une algue. Vite! Oh le clutch, oh le clutch, le joueur clutch. Le joueur clutch, messieurs dames. Oh, on va bouger de là, hein, je pense. Est-ce qu'on tabasse un poisson ou pas? Bande de gens, là, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont l'air méchants. Non. S'amuser dans le jeu. Ok, je mange encore. Bien sûr que taper un poisson soit une bonne idée. Mais laissez-moi, putain. C'est pour ça que tu gagnes le 2v1. Mais si. Imagine, tu rentres, tu vois un mec, salut. Ah, mais celle-là, on l'a déjà fouillée. Ah, oh, mais on l'a pas été bien loin en fait. Je pensais qu'on avait voyagé sur des kilomètres, mais que dalle. Est-ce que vous pensez que le petit marteau qu'on a dans le sous-marin, ça pourrait péter le cadenas? Ou la clé, on a une clé à molette aussi. On va tester. On va tester... Alors ça, non ça c'est derrière moi, c'est que je l'en rejoins. Pipe wrench et le repair hammer. Allez, on va tester ça. Je vais juste aller foutre la pièce qu'on a dans la machine à sous. Ouais, non, la machine à sous, c'est là, je suis con. La machine à sous. 100% on gagne. 100% on gagne. Débloque la secret ending et puis voilà. Fin du jeu. Allez hop, c'est parti le junt. Crac. Vous savez que j'ai cru aux 3 mouettes là. Allez, on fait le... On essaie de péter le cadenas et on se casse. C'est du scam, bah oui. Bien sûr que c'est du scam, hein. Putain, c'est dégoûtant. M'attaquez pas, hein. Je vous ai pas attaqué, vous m'attaquez pas, hein. La mouette en peluche, mort, trop mignon. Un donnant, donnant. Après, ça se trouve, c'est un skill. Genre, il disait, je peux pas taper. J'arrive pas à taper assez fort. Est-ce que c'est pas un truc? En mode, au bout d'un an, plus tard, tu débloques des capacités, tout comme ça, je sais pas. Oh!
Ça bouge tout seul, ça. Y'a rien dans ce merdier, c'est quoi ça? Rune book. Living knife, mais j'ai déjà ça. Du hasard. Bah, ça peut pas me servir, ça. Une ampoule. Le jeu. J'ai compris. Sensor. Oh, nice, je peux réparer une cam. Putain, quelle angoisse. Tu es un poisson. Arrêtez. J'ai très envie, mais je vais me faire gronder après. Je suis le premier qui a envie de les taper depuis le début, hein, mais... Pourquoi y'a un robinet ici? C'est quoi ces maisons, là? L'oxygène... Ouais, chill, 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 chill. Tout va bien. Jeune sub et Trickstore le BG aussi. Tu t'oserais pas. Tu n'oserais pas. You wouldn't dare, comme on dirait. Bon, le hammer, on peut le reposer. Ça aussi, du coup. On a deux petits couteaux. Et on a un sensor. Le sensor, on va aller le caler dehors. Mais le jeu est prenant, je sais pas comment vous expliquer. Genre, le jeu est cool. Premier degré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le jeu est vraiment bien. Que pourtant on effleure à peine le bordel, mais... C'est que je dois foutre mon sensor là. Dessous peut-être. Je sais plus. Je sais qu'il y en avait un tout à l'heure. Ah merde. C'est qu'on l'avait vu. Ah là. Ok. Je vais aller reprendre de l'oxygène. Je crois qu'il y en a en dessous, je crois qu'il y a une bouteille ici. Passer où Trickstore le BG? Bah elle est passée tout à l'heure. Allez, on y retourne. T'as pas de robinet dans ton salon? Bah, moi c'est un salon cuisine donc c'est un peu triché mais... Mais dégage de là! La vie de moi, il m'a fait peur. What the fuck? Tu le arrêtais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dis-moi ce que c'est! Jeu de con! Non! Mais le jeu, fais un effort. Viens, on collabore. Allez, 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 j'y crois. Tu peux l'avoir. Allez! Oh, c'est de la merde. Oh, bah ça reste là, hein, nique. Hein. Au bout d'un moment, hein. Boîte à meux, mais non, on aurait dit du sel ou un truc comme ça, non? Putain, encore ça à explorer, mais j'y vais payer, putain. Attends, à la sortie? Oh le con. Le connard. Il m'empêche d'avancer. Mais casse-toi! Je vais mourir à cause de toi! Non! Lui, je vais le buter. Je vous préviens. Je vous préviens, je le bute. Je reviens, je le bute. M'en bats les couilles. C'est trop grave ce qui se passe. Ça peut pas rester impuni. Je m'en bats les couilles. C'est lui qui a cherché. Je suis désolé. Moi, je viens en paix. Mais là, il y a eu tentative d'assassinat, hein. On aura du filet de poisson, voilà. Tiens, tiens, c'est quoi merde, hein. Tiens. Tiens.
Ça lui fait quelque chose seulement? Il a pas l'air très ému par la situation, quoi. Hein. Ah, je crois que je l'ai tué, il y a du sang partout. Mérité, mérité. Voilà, il a essayé, encore une fois, ce n'est que de la légitime défense. Putain, on voit plus rien avec le sang qu'il a foutu partout. Aïe! J'aime bien, j'ai bien dit, c'est du sang qu'il a foutu partout, hein. C'est pas moi qui... Évidemment. Y'a rien en plus, là. C'est de la merde. Il y a des oursins, quoi. Assassin. Mais assassin de quoi? C'est lui qui me bodyblock, là. Et même après la mort, il me fait chier, regardez-le. Casse-toi. Je vais m'énerver. Puis la gestion des portes aussi. Merde. On vous applaudit pas, mais merde. Struggle for air. T'inquiète, t'inquiète. Non, je veux juste de l'oxygène. Non, non, mais arrêtez, il méritait. Il méritait. Commencez pas. Je vous vois là. Ça suffit. D'accord. Je suis la victime dans l'histoire, d'accord? Ça, je sais pas ce que c'est du coup. C'est quoi? A waterlogged the box of détergent. J'ai du détergent, voilà, si jamais quelqu'un fait un petit kiff. On peut déterger un max, quoi. Ça brille un max. Bon, vas-y, on se casse de là. Je suis avec toi, t'es innocent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se casse. Quoi? On n'avance pas là. Pas un peu de ma gueule par hasard? Comment ça marche? Je comprends rien. D'accord. Faut mettre une route peut-être. On est à 760, on va mettre... Est-ce qu'on peut sortir du trajet? Est-ce qu'on peut faire genre... 779. Non, parce que c'est pas sur ma route. Ok, c'est pas sur mon trajet. Donc, 753. Ok. Et là, normalement, je fais ça. Oui, let's go. Je surveille ma jauge d'essence, mais je sais pas dans quel sens elle descend. Dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Je sais pas. On sauvegarde. Même pas revenir à la plancha, j'avais pas vu. Mais non, je n'ai pas de plancha. On est arrivé? Ah, ça s'est coupé tout seul parce qu'on est arrivé, effectivement. Quoi encore?
D'accord, c'est bien. Il y a beaucoup de poissons, oui, oui, bah je me doute. Est-ce qu'on prend le pistolet? Enfin, moi. On va aller essayer le pistolet, bien sûr. De façon totalement pacifiste et contrôlée. Et justifié. Totalement justifié. Hein. Ce sera uniquement là pour me défendre. Et pas autre chose. On est dans une zone indue. Ah mais on est au-dessus de là où on était tout à l'heure quoi. Non, on va chercher les scraps qu'il y avait là. Il y avait des spears aussi. Bolt cutter. Oh, j'ai une pince coupante. Scraps. Harpoon. Ok. Ça en ramène. Ça en était coupable. Mais bien sûr. Comment on pouvait en... Comment on discute de ça encore? Mais c'est une folie. Et même dans la mort, il me faisait chier. C'est quand même terrible. Les harpons. Pince coupante ici. Bon, le problème, la taille de l'inventaire, dans les... en fait, c'est toujours la même chose. Dans les jeux de craft, dans les jeux de loot, l'inventaire, ça casse les couilles. C'est toujours insupportable. Il n'y a pas un jeu mieux que l'autre par rapport à ça. C'est... dans tous les cas, ça fait chier, quoi. Au bout d'un moment, c'est juste chiant. C'est quand même fou. Tu peux pas te faire rotate toi? What the fuck? Ouais, ça fera l'affaire. Bon, est-ce que du coup tout ça, ça se fouille? Je sais pas. Qui brille là-bas. Quoi? Oh! Merde, je vais recharger. Out of ammo! Ça valait le coup. C'est lui qui m'a. Eh, c'est lui qui m'a agressé encore du coup. C'était moi. C'est quoi qui brille là? Une bombe agricole? C'est que cette merde. C'est un truc qu'on va devoir. Oui, d'accord, on va devoir ouvrir ça pour continuer. D'accord, j'ai compris. Floppy disk. Attention, chers employés. Comme vous le savez, on est toujours en train d'attendre pour que. On est toujours en train d'attendre à ce que l'électricité soit remise. Bref, malheureusement. Il y a eu des complications. Okay. En gros, c'est compliqué. Ils savent pas comment. Mais vas-y, mais j'en sais rien. Open gate. Donc, il faut trouver un moyen de refoutre le courant dans la zone. Si je comprends bien. Et comment je fais ça? Moi je ne suis qu'un simple con. J'espère que l'oxygène diminue. Pas. Ah. Non, je crois pas. Foutre le courant dans l'eau. Non, pas dans l'eau, dans les lignes. Une ligne électrique normalement est isolée, hein. C'est bien pour ça que. Bref.
qui va faire des étincelles. Arrêtez. Bon attends, mon pistolet me sert à rien. Dommage. Lucky. On a ça qu'on va poser là-bas. Attends mais du coup si je mets cette disquette dans mon système, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça me donne, une nouvelle route? Oh, et du coup, ah d'accord, j'ai compris. Donc, on trouve des disquettes. Ces disquettes, elles nous donnent des itinéraires. Et sur ces itinéraires, on peut se déplacer. On va sortir de ces itinéraires. Donc là, par exemple, de 753, je peux décider d'aller à 777, j'imagine. Ah, c'est intéressant. Donc, on va faire... On va tenter d'aller à 779. Nous allons-y. Ah, c'est intéressant comme système, j'aime bien. You look like you are in need of something to keep you fussy, Captain. You can fix the summer if you find some electro item. Ok. Attends, on va arriver à destination, on va le faire. Donc on peut réparer les sonars si on a trouvé des electrical scraps, chose qu'on a trouvé. On va pouvoir le faire. Prends une glace vanille fraise ou vanille chocolat, j'ai les deux. Vanille fraise chocolat. Tu prends les deux cônes. Tu les plantes l'un dans l'autre. Et là le fun commence. Tu me remercieras plus tard. Putain l'arbre. Oh la gestion de virage. Oh waouh. Les deux, en plus je voulais être raisonnable. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir de temps en temps. T'as envie de te prendre les deux, tu prends les deux. Pardon. Qui va te faire une réflexion, personne. On est arrivé, ok. Donc on va prendre nos parties électriques là. Le système électrique là. On va trouver le sonar. Le sonar est en extérieur, j'imagine. Surtout quand il fait 45, bah c'est ça quoi. Sonar, 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 sonar. C'est ça le sonar. Oui, non, non, oui. Il tout monte open. Super. C'est quoi le sonar alors? C'est là-bas, peut-être? Êtes-vous le sonar? Non. Chat, je m'y connais pas en sous-marin. Ça se trouve, c'est à l'intérieur. Je me fais chier. Pour rien. Ça me semble tout à fait plausible. Parce que pourquoi il m'aurait donné une tâche à faire alors que le sous-marin, il est en déplacement? Ah non, ça doit être dedans. Le sonar, où c'est qu'il peut être? Command room, mais peut-être dans la command room, tout simplement. Sonar. Ce qui n'a rien à voir avec connard, bien sûr. Pas mélanger, hein. On pourrait confondre des fois, mais... Ça paraît d'ici, hein. Borne, ça c'est les lumières. Ça, j'imagine que c'est la bagarre, ça, je pense. Okay. Non, c'est pas là. Hein. C'est pas là.
super. Donc c'est où? C'est sur le devant normalement. Bah ouais, mais bah, c'est dehors alors. Oh non, je sais pas. M'en dit plus. Optional. Search for sensor arrays. Restore power to the gate. Search for electrical scraps. Mais j'ai déjà ça. Bon, je me doute que la démo va s'arrêter au moment où on va sortir de par la route 712. Tu veux un petit snack, quoi. Allez. Allez. Le chien coca K-Wave. C'est quoi cette merde? Je connais pas, c'est quoi? Easy. Coca de la K-Pop. Oui, non, mais d'accord. Très bien. De la K-pop, Mary, oui. D'où le nom finalement. Where is the sonar? C'est quoi ça? Bon, à savoir, on a de l'oxygène ici. Non! Secours! Mary, la vraie Yankee. Ah bah après. Sauf que c'est bon ça. Donc attends, sur l'avant du vaisseau. Est-ce qu'on a quelque chose visuellement présent pour nous dire? Pas des masses, hein? C'est infernal, putain. Vous voyez, ce genre de truc, ça fait chier. Qu'est-ce qui empêche, en fait, aux devs de mettre un quelconque indice visuel de là où tu dois aller, quoi. Casse les couilles. Heureusement, c'est une démo. Mais c'est des choses comme ça qui vont aider forcément le joueur à mieux comprendre ce qui se passe, quoi. Oh! Là, je suis en mode what the fuck, qu'est-ce que je dois foutre, quoi. Ça aide pas des masses. Genre, ça m'aide pas du tout. C'est pas que ça m'aide pas des masses, c'est que ça m'aide pas du tout. On avait la maison là-bas à fouiller qu'on avait pas totalement fait. La maison à droite qu'on peut faire aussi, vu qu'on est au-dessus. Je vais goûter la chose. Eh bien, goûte. Nous en dira des nouvelles. Et alors, qu'est-ce qu'on a de beau, nous? Rien, super. On a un étage ici. Une salle à manger. Salle de banquet, le truc. On a la téloche. Cette maison est plus un peu la merde entre nous. What? Plus grave la merde. Oh! Non, j'ai un dit. Exceptionnel la maison. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Si Mary répond plus, on l'a perdu. Elle est foutue. Oh, le gros poisson. Au secours.
trouvé ça à Carrefour City, mais ça doit te coûter une blinde, putain. Et ouais, mais du coup, j'ai mes electrical parts de merde. Juste Google en vrai, vas-y, flemme. Je vais voir si des gens vont me dire quelque chose sur Google par rapport à ça. Sonar. Comment il s'appelle? C'est full. Fathom. Si c'est ça, je pète mon front. Mais comment je répare? Avec le marteau de réparation? Le Repair Hammer. Alors peut-être. Équipe. J'aime beaucoup le bruit. Où c'est que je mets cette merde? It's rusted shut. C'est fermé de par la rouille. Faut que je l'ouvre. Donc il me faut peut-être merde, le truc là. Merde! C'est bon. La clé à molette, putain, j'ai détergent pour nettoyer la rouille. Moi, je sais pas. La vache, c'est immonde. Il y a des gens qui ont déjà goûté le Dr. Pepper. Je pense que c'est le pire truc que j'ai bu de ma vie. Et c'est la réponse à tout, cette clé, en fait. C'est ça, quoi. Ça fonctionne? Oh! J'ai niqué mon vaisseau. Super. Cap the power appears to be off. What's the fuse box trip? Oh! Ma clé de merde et mon circuit électrique aussi. Dr Pepper, ça ressemble à du coca chérie. Ah, vraiment pas. Alors, qu'est-ce que je fais avec ma table magique là? Avec mon sonar. Est-ce que le sonar donne des infos visuelles sur. Sur quoi? Oui. Je suis convaincu. C'est les formes de vie que ça me montre, j'imagine. Thank you.
On avait une autre maison à chouiller. Oh, bon. Non, non, Dr Pepper, c'est vraiment... tu bois le truc, c'est un TP de physique chimie, quoi. Déjà, t'as ton diabète qui se réveille quand tu bois ça. Oh! Bon, ils sont mignons. C'est vraiment... Je vous promets, c'est le pire. C'est le pire truc que j'ai jamais bu. Bah à la base, c'est commercialisé surtout aux États-Unis cette merde, donc... le pays du diabète, je me rappelle. Et des obésités. Faut pas faire les surpris quand un truc comme ça existe là-bas, quoi, tu vois. Enfin, et inventé là-bas, surtout. On l'a pas déjà fait, cette maison? Ça me dit quelque chose. Ça c'est chiant par exemple, vous voyez? Je sais pas comment ça marche ce truc, mais c'est pas fou quoi. En fait, il y a une espèce d'aide à la visée, je sais pas comment vous expliquer. C'est très bizarre, c'est bizarrement foutu. Oh, 25% de... Ok, on revient. Un peu loin là. Putain si. Vite. Il y a de l'oxygène ici. Okay. De toute façon, je vais en profiter. Il me faut la clé. Ah, l'inventaire dans le jeu, c'est une douille. Hein. C'est horrible. Mais bon. C'est pas le premier jeu qui a un problème d'inventaire, c'est pas le dernier. Ça on peut poser, en dessous. Tac. Et il nous faut du coup... C'est que j'ai mis ma clé à molette. Voilà. Système de carré. En fait le carré si tu veux c'est... Je sais pas comment l'expliquer, c'est auto-aim. Ça va pique des éléments, c'est-à-dire genre la poignée d'un tiroir, un objet, mais ça peut être un objet, ça peut être... Enfin, en gros, ça va auto-aim. Et si ça tombe pas là où tu veux, bah c'est de la merde. Alors, il me faut ça. Équipe. Donc, voilà, c'est ça qu'on veut... Oh le bad. Oh la taille du bad. Incroyable. Est-ce qu'on peut le taper? Nice ass, cela dit. Un vieux livre, ça me les couilles. Les chiottes. Pourquoi il y a des flamants roses partout? Non, je pensais qu'on aurait pu l'ouvrir. Mais encore. Non. Hein. Commencez pas. Hein. Le chat. Je crois que c'est sur longueur. Ah! Oh! Je pensais que c'était la fin des haricots. C'est où que je vais, moi? Ah. Je crois que c'est plus près si je vais ici. Je crois qu'il y a un truc d'oxygène par là. Arrête! Panique pas! Voilà, tranquille, chill. Vas-y, meurs. Mais quoi? Je vais pas mourir.
C'est quoi cette lignée de flamants roses? Vous pensez que si on les suit, ça nous emmène au trésor de Barberousse? Truc du genre? Parce qu'ils sont alignés, ils prennent un chemin, tu vois, je sais pas. Hein. L'ordre du capitaine, peut-être? C'est la merde, tout ça. Une boîte de sardines. Zgong. Ah, de l'essence. C'est tout. Vers le roi flamand rose. C'est un boss. En fait, on est dans un sol laïque depuis le début. Non mais regardez, en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Ça commence là et ça prend ce chemin là. C'est bizarre, non? On va aller voir. Je suis curieux. Je vais juste aller déverser la merde que j'ai ramassée. Suis-les. Ouais, 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 on va y aller. D'accord, super, super. Très belle information que tu me donnes là. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est quoi ça? Je sais pas. On va aller déposer l'essence là-bas. Non! Bah, bon, au moins il est dedans, on peut. Je prends tout trop à cœur en fait. Allez, vamos! Allons voir ces flamants roses de merde. J'espère que c'est pas trop long parce que sinon je vais crever en fait. J'imagine que dans ce jeu on va trouver des améliorations pour inventaire, pour. Capacité d'oxygène, etc., etc. Un petit peu à la façon d'un comment dire, d'un Subnautica. Non mais regardez, non mais c'est trop bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette daube? Quoi? Il y a un champ de flamants roses. Je peux pas y aller, je vais crever. Il y a un boss. Et là, il y a une musique démoniaque qui commence. Attends, c'est quoi? The King of Flamen Rose. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vais mourir en fait, c'est tout. Voilà, c'est un gros piège à con quoi. Là, les bouffons, je vais leur faire un piège, ils vont y aller, ils vont mourir. Merci le jeu. Cool, cool, cool. Nickel. Non mais là, je suis 100% mort. C'est fini, Topipo. Hein. Tout si on met des pop-up à mon écran. 7% d'oxygène. Bon ben c'était une belle aventure. Ravi d'avoir pu tester ce jeu. On va voir en combien de temps on meurt. Oh c'est so long. Oh c'est so long. Mais au moins on aurait la curiosité d'aller voir ce qui se passait. Rie pas toi. Arrêtez, il y a un monde où je survis. Je suis pas si loin. Allez mon grand, bats-toi! Tu peux le faire! Je suis à moins 23% d'oxygène quand même, hein. Je sais pas comment c'est possible. Olé! Il est facile ce jeu. Ah par contre je commence à voir des trucs bizarres. Je vois flou. Il se passe des choses. Est-ce que si je mange cette merde,
Je vais mieux. Je sais pas ce que ça fait. Ça m'a donné des fibres, quoi. Shit. Bon ça. C'est-à-dire. Tu peux m'expliquer. Salut Robert. La baisse. On va aller du coup à 700. Pipou, pipou, pipou. C'est parti. Allez Marcel. Putain là je suis parti là. Mais je sais pas Epali, j'étais à moins 25% d'oxygène. Ça vous fait pas ça vous? Quand vous vous noyez? Mais je vais pas du tout au bon endroit là, il m'emmène où là? Mon vaisseau il a pété un plomb. J'avoue ne m'être jamais noyé. Ben, j'ai une petite histoire là-dessus, voilà, ça va vous intéresser ou pas d'ailleurs. Étant tout petit, je m'en souviens pas, hein, mais j'étais petit. Je vais avoir. Allez, 3 ans max. Maximum. Hein. Fête de famille chez les oncles et tout. Ok, je crois qu'on est arrivé. Oui. Fête de famille chez les oncles et tout. Et le petit proxy ici présent vit sa vie de jeune enfant, bien sûr. Qui marche. Enfin, qui découvre le monde. Évidemment. Et mon oncle avait des bassins, des petits bassins, vous savez là, une espèce de petit bassin, mais quand même un petit peu profond. Et donc petit proxy, hop, plouf, il a fait plouf. J'étais con déjà à l'époque, vous savez. Et personne s'en est rendu compte. Personne s'en est rendu compte. Petit proxy, hop, il disparitus. Disparitus. Proxidance, proxykermie, proxidance, proxykermie. Au fond du bocalus. Hop. Proxy au fond du bassin, tu vois. Merci Mimi pour les 22 mois en tier 2. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci du soutien, madame. J'espère que tout va bien. Donc, oui, Proxilus au fond du bassinus. Voilà. Et donc, mes darons et tout, les cousins, les oncles. Personne au courant. Sauf un cousin. Qui instantanément a plongé dans le bassin. Et donc là tout le monde s'est retourné en mode what the fuck, que se passe-t-il? Mais il est con le cousin ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Bizarre. Bizarre le cous. Et en fait il m'a repêché. Et et mon oncle a fait en sorte que le bassin, bah du coup il n'y a plus que 10 cm d'eau quoi. C'était pour la bonne cause que j'ai fait ça, oui. Pour le bien commun. Tu lui dois la vie. Ah mais oui, bien sûr. Bon, après, je vais pas ruiner l'ambiance, mais ce cousin, bon, il a mis un terme à ses jours il y a bien longtemps. Voilà. Ça vous a plu comme histoire? Noté sur 10, bien sûr. Voilà, voilà. Pas si con, bah non. Oh non, bah c'est la vie, hein, messieurs dames, après. Hein. Que voulez-vous? Oula. Oula, sale ambiance. Oh putain, la richesse! Oh, des pancakes! Putain, la vie est belle. C'est quoi cette merde? C'est un coquillage géant? Donc, moi, j'ai aucun souvenir de ça parce que j'étais trop petit. Je vais avoir 2-3 ans, je pense. Pourtant, j'ai des souvenirs de mon enfance, hein, de ma très jeune enfance. Hein. Mais ça, bon, je pense que mon cerveau de petit bambino, il s'est dit non, on va pas. Ça, on garde pas, je pense. C'est une trappe, ça. Mais donc, ouais. Et.
mon grand-oncle avait vraiment cimenté le truc, de sorte à ce que tu puisses à peine y mettre un pied, quoi. Et donc à chaque fois que j'ai été chez cet oncle, bien sûr, c'est « Oh, bah tu te rappelles ?» Enfin non, bah non, tu dois pas te rappeler, mais quand t'étais petit... oui, oui, je sais, oui. Oui, mamie, je sais, oui. Oui, tonton, oui, je sais, oui. Oui, oui, je sais. C'est pas tranquille. Putain, ça brille. Mais va là-dedans, putain, mais... Oh. Et vous savez quoi, c'est rangé correctement. Ça me stresse. Non. Arrête! Arrête d'en faire qu'à ta tête! Et putain! Chose est neuf. Allez. Pareil. Bon, ça n'a rien à voir. Mais bah c'est ça la hint exactement. Si mon cousin n'avait jamais. Enfin, pareil, était inattentif, tourné de l'autre côté comme tout le monde. On m'aurait vu remonter à la surface du bassin en mode « Oh bah tu... Alors Et j'aurais été fini tout pipo, hein. Bah, mes parents, c'est pas ton fils qui flotte, là? Oh si, oui, il s'amuse. Okay. On va poser la clé à molette. Mais attendez. Moi on l'entend plus. Non, j'étais adorable comme gamin. Arrête. Nos darons nous ont toujours dit ça. Vous avez été des enfants modèles. C'est pas beau ça? Contrairement à vous là, hein. De racaille de chat. je sais, arrêtez. Quoi ça? Bon, y a des trucs, c'est vraiment une alpha encore, donc je sais pas ce que c'est. Container magique, je sais pas. Une porte, on peut la pousser. C'est pas prévu pour. Regarde. On a perdu 40% d'oxygène à checker ça. Super. Ball cutter, on en a déjà un, je vais pas les collectionner, c'est bon. J'ai la place pour un autre? Oui. Oui. Est-ce qu'on est gourmand? Est-ce que ça passe un dernier? Oh, les 4 passes! Oh! Exceptionnel. Ça, j'imagine que c'est notre objectif, hein. Je vous assure que premier degré, le jeu est trop bien. Vous en pensez quoi, le chat? Bon là, évidemment, on est sur une alpha, on est sur un jeu qui est pas fini du tout. Et je veux dire... Je trouve que le jeu a un truc, quoi. Donc on connaît pas le bestiaire du jeu, on sait pas ce que le jeu essaie de nous faire faire, tu vois. Mais moi je trouve qu'il y a un vrai truc, hein. Il est bien mais pas d'ennemis. Mais c'est normal. Enfin, je pense que c'est totalement normal. Qu'est-ce qu'on doit foutre ici? Que je dois faire. Allô? Est-ce que je dois péter ça pour entrer peut-être? Oh! J'en ai marre. Oh vas-y, c'est bon. Ça me saoule.
Ça fait une heure que je dois partir en course et que je suis bloqué devant. Ça va être de ma faute maintenant. Captain, c'est pas très sérieux. Il est dedans. Si je peux me permettre, qu'est-ce que j'ai pris là? Pas du tout. Le système d'inventaire par contre il est un petit peu hein. Faut faire mieux quoi. Parce que c'est. Tu te bats contre les éléments quoi. J'ai loupé une partie mais j'aime bien. Le début a été laborieux, on n'a pas trop compris ce qui se passait mais c'est normal quoi. Tant de comprendre ce que tu fous là, qu'est-ce que tu as en face de toi et tout, c'est compliqué j'avoue. Mais une fois lancé là je suis dedans hein. Putain. Motor. Télévision. Haute chambre, ok. Floppy disk. Désolé pour la livraison, machin, donc c'est le truc qui manquait de l'autre côté. Donc ils s'excusent, machin, pour compenser, ils vont envoyer de l'essence, je crois. One of the fuses is missing. Ah, mais ça me fait la jambe, il est où le fuse? Donde está el fuseo? Je sais pas moi. On n'a pas de fusible, je suis pas fou. Oh sa grand-mère, oh putain, je veux même pas savoir ce que c'est. Ok, au revoir. So long. Ça m'a mis la chair de poule. Au secours. Je te tape. Ok. C'est bon, les menaces ont fonctionné. Ça c'est un flair, c'est pas un fusible, oui, c'est ce que je me disais. Un fusible. Tu veux pas casser les caisses? Non, j'ai essayé. Peut-être que plus tard ce sera le cas, mais là ça fonctionne pas, ça fait un bruit de cailloux. Et coucou Adrink, bonjour. On dirait un mix avec l'étal. Ouais, vite fait. Je vois pourquoi tu dis ça. Il y a juste des mécaniques de survie et d'ambiance pour le moment. De gestion du sous-marin aussi. Il n'y a pas encore de craft, mais je pense que ça va venir. Il y a tout, en fait. Il y a tout ce qu'il faut pour du craft. Il y a des améliorations de sous-marins, d'équipements, de trucs, je pense que tout ça, ça va venir. Mais je fais quoi moi maintenant? Il nous faut un fusible. D'accord. Floppy disk. Ah, peut-être que le floppy disk va me montrer un trajet pour jouer le truc. Quoi? Mais oui, bah oui, bien sûr. Mais non, mais on fait ça, ouais. J'ai envie d'éternuer au soir. Merde. 702. Il y a 702 alors. C'est si loin. Donc on doit monter au 702. J'imagine trouver le fusible, redescendre ici. Et ensuite on sera bon. Je vais tout de suite aller mettre de l'essence à l'avance parce que je sais qu'on en aura pas assez. Tac. Elle est où la MT? Là. Mais non, j'ai ramassé. Oh, Mieux meuf, comment ça va?
La démo est longue quand même, c'est surprenant. C'est surprenant parce qu'en fait... Bon, on peut toujours se méfier. Mais je me dis que... Ils ont peut-être prévu un jeu quand même très conséquent en termes de contenu. Bah, c'est ce que ça me fait me dire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien, on saura jamais d'ailleurs. Quand le jeu sortira quoi. Pour une démo, c'est quoi? C'est du 2h, on est sur du 2h15. Bon, après, on a mis du temps à comprendre le truc, hein, mais. On est sur du 2h15 de jeu. En vrai, c'est honnête, quoi. Pour une démo. Merde. Est-ce qu'on voit la grosse merde d'araignée de cul? Très bien. Bon bah c'est-y part. C'est parti. C'est quoi ça hein? C'est un récif? Bordure de map peut-être. Ouais c'est peut-être ça. Ok, scrap et hammer. Ah! Mais what the fuck? Je vois rien! Oh la panique! Au secours! Ah, et du coup, c'est pour ça, ça. Quelle angoisse du cul. Bon. Quoi, y'a le feu dans... Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Y'a le feu dans le moteur? Mais non! Secours! C'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Ça? Ah mais c'est... Ah, c'est bon! Secours! Non mais ça va! Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tant qu'on est là. Putain. Tu veux un merci, tu veux un bisou? Tu veux un bisou? Et où? Et où mon bébou? Oui. Je l'ai tapé. Engine off. Oui, bah, y a tout qui est off. Hein. C'est pas bon signe, ça. Pourquoi c'est éteint? Allô? Ah, ça a dû... Attends. Les plombs ont dû sauter, c'est ça? Oui, exact. Une fois que tu commences à comprendre le jeu, tu vois, c'est évident, tu comprends, t'as la logique qui se met en branle et tout. Mais tout à l'heure, là, what the fuck, on a mis 12 siècles à se lancer, putain.
Mais maintenant tout fait du sens. You need to use the gondola. Quoi? Quoi? Gondola? Je suis au mouillé. Oh! Oh! Quelque part là. Quelque part non. Tu fous. Imaginez ce jeu en multi en vrai. Est-ce que c'est. Est-ce qu'il est, il est prévu en multi d'ailleurs? Ah, mais au secours! Quoi? Quoi ces merdes? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fous moi? On est où là? Ah mais on est arrivé à destination. Oui exact, Pacello, c'est quoi déjà le nom du jeu? J'ai déjà vu quelqu'un y jouer. Et putain mais tout a sauté en fait dans mon bordel. J'ai peur de sortir là, attends. Premier degré, j'ai peur le chat. Oh attends, mais ça va pas du tout. Ok, là le jeu, on est à la fin, on est à la fin de la démo. Il est en mode, ok, j'envoie tout là. C'est quoi ça? Je vais jamais tout en bas, c'est mort. On va où là? Mais... Oh... What the fuck? C'est quoi ça? Là, je suis en panique totale là. What the fuck? Mais j'ai pas envie d'être là, je non. Pardon, mais. Murky Dive, hein, c'est ça, tout à fait. C'est un peu la panique, c'est rigolo. Bon bah YOLO, hein, de toute façon on est là pour ça, on est là pour tester la démo, hein, que voulez-vous. Hein. Puis on se fait grailler le cul, c'est pas grave.
Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive de pire? Est-ce que je dois suivre ça potentiellement? Qu'est-ce que je prends là? C'est rien au pire, tu vois. Oh là! On s'en fout, on est là pour tester. Quoi? Les gars, je sais pas qu'est-ce que je dois foutre. Est-ce que le jeu il est pas en train de juste nous en envoyer plein la gueule là pour la fin? Mais en fait je sais pas où est mon objectif, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois foutre? J'ai aucune idée. Si je mettrais peut-être un petit bémol, mais il y a plein de petits trucs à améliorer bien sûr, mais la lisibilité de ce que tu veux faire, de ce que tu es censé faire, c'est un peu l'angoisse. Hein. Là, je vais où là? Elle est où ma nacelle? Ah putain, je l'ai trouvé. Je comprends rien à ce que je fous là quoi. Quoi ça? Ah bah l'entrée était juste là. Attends. Pipes, on s'en fout. Fuse. Bah voilà. J'ai pris quoi là dans mon inventaire? C'est quoi cette daube? Statue normale. Oh. Ok. Prends tous les fuses. Ah, je veux ça. Merci. Et on se casse? Qu'en pensez-vous? C'est pas que je suis mal à l'aise ici, mais... Oh, un petit peu, quoi. Vite fait. On se casse. Bon, ils sont pas trop cons. En vrai, le jeu est bien foutu par rapport à ça. C'est-à-dire que tu arrives, c'est fait pour que lorsque tu vas descendre avec ta nacelle, t'aies ton objectif juste à côté, ça c'est trop bien. C'est très bien pensé. Et par contre, même moi qui suis pas forcément thalassophobe, là c'est l'angoisse pure et simple. Hein. Et encore, les mobs, ils sont plutôt chill. Plutôt chill, sauf le connard qui bonque mon vaisseau depuis tout à l'heure. Angoisse, putain. Oh. Toujours là d'ailleurs le serpent du cul là. Tu vois bien? J'aime bien rentrer dans le vaisseau et qu'ils me disent rien, c'est-à-dire que c'est bon signe. Ça va vraiment faire ce bruit à chaque fois. Bon, maintenant il faut qu'on retourne au... je sais plus, 725 je crois. Donc tout en bas là. 777, ah non. Se casse. Fissa. On se casse, vamos. Bouge ou quoi là? Oui. Perhaps you will find this useful. Moi? Oui? Qu'est-ce que je trouve useful? Quoi?
récupère du sexe. C'est éteint. Est-ce qu'on a un boost de vitesse, c'est ça? On est boosté avec ce truc-là? Moi, je veux voir quelque chose. Vite, on va au secours. Moi, je veux le remonter. Il me veut du mal, Willy, ou quoi? Cours. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te battes? I just checked and you have non, pas encore. Putain. Merci, monsieur. Comment ce truc-là n'a pas explosé encore? Qu'est-ce qu'on est arrivé? Donc là, on doit mettre le fuse dans le... D'accord. Dans le panneau. Est-ce que c'est un d'ailleurs ou est-ce que c'était plusieurs? Je m'en rappelle plus. Est-ce que dans le dos, je prends pas les 4 qu'on a trouvé? Ça, je vais pas revenir. L'araignée de ses morts, hein. Araignée de son cul. Hein. Ah, il faut que je mange. News. Et c'est quelle jauge de faim que je vois pas sur mon écran? Qu'est-ce qui est? Est-ce qu'il y a un rapport avec ma bouffe, je crois. L'électricité a été remise en théorie. Sans théorie. On vient de tester. Ah, c'est vert donc oui. Ça va, ils ont pas été trop chiens avec les mobs quand même. Oui, je fais ça. C'est parti mon kiki. On bouge. Bah après ça m'organise, je peux pas te dire quoi. Ben, je sais pas du tout.
c'était ça Iron Lungs. On verra, je sais pas. Demain c'est quoi déjà? On est sur quoi, je sais plus. Ah oui, on est sur Bug. Attends, c'est quoi? Bugs quelque chose. Je sais plus. Je vous ai dit c'était un jeu à la full to fathom, un truc comme ça. Fier to fathom, pardon. Creepy Waves FM, ouais. Creepy Waves FM et c'est Bugs. Bugs quelque chose. Bugs Fister, voilà, tout à fait, bien joué. C'est ça, bravo. Ah, effectivement, quand on met du coup le réservoir rouge, on est allé à la vitesse de la lumière. Là, la vitesse de base, du coup, fait en sorte qu'on soit plus lent, effectivement. Un jour, je trouverai ma jauge de nourriture. Je sais pas. C'est la batterie en bas à gauche, là, il y a 89%. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est tout en haut? En haut, il y a des données aussi, je sais pas ce que c'est. Aucune idée. C'est bon. Et sonore, du coup, bah le sonore. Non! J'aurais pas dû l'allumer! Fais chier, hein. T'as voulu me saboter, Captain. Ah, nous sommes arrivés quand même. Road blocked. Donc là on descend dans la cabine. On avait vu tout à l'heure. Normalement on est bon. On va pouvoir ouvrir la grille et partir. N'est-ce pas? Là ça clignote, tout à l'heure ça clignotait aussi. Est-ce que je peux faire quelque chose? Tout à l'heure ça se passait là-bas, donc on va aller checker. Le bouton est vert, je crois. Oui, parfait. Normalement. Ah oui! Et donc là, on va pouvoir y aller. Mais je passe jamais là-dedans avec mon engin là. Mais c'est un titre, je vais voir. On y va. Quoi? Super. Bah en vrai, jeu de fou. 2h40 qu'on est dessus, moi j'ai pas vu le temps passer. Non, en vrai banger, je vais le full wishlist, hein, je m'en bats les couilles. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce vers le haut et à checker mes autres vidéos.